Donc ce soir, les amis, podcast, comme tout le monde le dit, podcast geek, sujet libre, le Radio Freedom du sujet geek. Ce soir, nous sommes avec Drago. Comment est Drago? Il est là. Ah, où c'est quoi? Ah, où c'est Bobby? C'est ça? Mickey est pas. Je sais pas si je suis Bobby, mais. Avec Drago, et nous avons entendu Nico hier. Comment est Nico? Nico est en train de jouer une démo Stellar Blade en même temps. Comment est Nico? Ça va, ça va. Bah là, je mets un petit peu en pause, là. Ouais, alors, du coup, pour l'info, hein, ça qui fait essayer, la démo Stellar Blade est dispo depuis pas longtemps sur PS5. Vous avez fait essayer de télécharger, voir un petit peu. If you can't protect the Earth, you can be damn sure we'll avenge it. Mais le premier truc là, il me manque à moi, déjà, c'est le gameplay m'a fait, ah, il m'a déjà vu un jeu, comment? Ah oui. Déjà, jusqu'où on arrive dans l'arène, et voilà la prise de vue, on comprend direct, quoi. C'est du Overwatch. L'architecture, elle est vraiment, il ressemble beaucoup à des stages que m'a déjà vu dans Overwatch, non? Bah, on dirait Numbani. Bah oui, bien sûr. Bah, c'est ça, exactement. Numbani. On dirait la carte Numbani, mais en fait, m'y pense, n'a de la place pour un jeu comme ça. Mais en fait, n'a pas que ça. Hein. Regarde les icônes, déjà les icônes en bas. En bas à droite. Comment les marquer. L'interface, c'est exactement les mêmes affaires. Les icônes, quand on met des coups critiques, quand on met des traits, c'est exactement les mêmes. Bah même oui, parce bruits, que. Même les bruits dans le trailer où on entend des fois auditer, on dirait. Bah oui, parce que Bana, il connaît qu'il a beaucoup de joueurs, il a déjà enregistré l'interface et le gameplay. Donc Bana, ouais. Vu que tout le monde est à l'aise facilement, et puis Bana, il connaît, il marche bien le gameplay. Bana, il. C'est ça, c'est gros affaire, genre les traits marqués en blanc, sur fond ou machin, sur transparent comme ça. En plus, c'est un free to play en plus. Et. Regarde, en bas, c'est les mêmes touches que vous. C'est qui ça? C'est Galaxy Antarctica, ça? Oui. C'est Galactus en. Alors, il est juste dans les comics. Oui, mais. Oui, c'est la fille de Galactus, je sais pas quoi. Alors, la bêta fermée, elle est en mai. On va lui mettre la boucle. Hop, l'alpha fermée, même pas la bêta, l'alpha. Mais en vrai, l'avantage que voilà, c'est que dans l'univers comics Marvel, on a tellement de personnages. On a un personnage. On peut décliner Ali de plein de vaisseaux différents. Déjà, là, on a des persos que Zod l'a mis et qu'il n'est pas super connu, hein, genre Luna Snow, mais il ne connaît pas qui c'est. La Vela Tantine, Spider-Man, fille, Micro, c'est Penny Parker, je ne sais pas comment il appelle. Mais m'y pense, pas, là ça met tout. Là ça met des skins. Par exemple, Hulk, quoi, il y aura plusieurs styles différents. Mais m'y pense, pas, là ça met 3-4 Hulk différents, 3-4 Spider-Man différents. Non, mais pense pas, non, mais on aura un Spider-Man, on aura la fille de Spider-Man, on aura, voilà, des trucs comme ça. Et Luna Snow, apparemment, elle est avec Namor, donc ils pensent les lier. Surtout mais... que... Finir. Enfin, non, mais ce que je voulais dire, on me dit, le jeu, quand même, on peut dire, oui, il ressemble à Overwatch, mais il y apporte quand même des trucs différents que Overwatch. Bah oui, Overwatch. Si on regarde déjà la vue en troisième personne, Overwatch c'est une vue FPS, c'est vue 3. La plupart des jeux qui copient bien, il fait toujours ça. Ben là, il reprend la même sauce. Et ben là, il ajoute le petit affaire en plus, qui fait que où ça il aura son propre identité. C'est même un peu ce que Genshin Impact avait fait aussi, ce cas bien, et de monter comparé à ça à Zelda. Rien à voir au final, et il avait son sauce à lui, au final, ben, il a cartonné. En plus, il profite d'un truc aussi, c'est que le MC fait quand même beaucoup de mois, mais il a eu cette petite crise où ça les jouait, et il croit vraiment que Overwatch 2, c'était ça, être un Overwatch 2, alors qu'en fait, Overwatch 2, c'est Overwatch 1, mais en un petit peu plus, et en plus, ben là, il s'appelle le PvE, pareil, il est mort, il s'appelle le PvE, donc il y a plein de joueurs, là, il a eu cette impression d'avoir été un peu dupé. Tout comme m'a vu. Bah après, nous l'a été dupé parce que le créateur de Overwatch, il a quitté le développement d'Overwatch, il a quitté la société et tout. Et c'est à partir de là comment se baise à nous par derrière. Parce que pourquoi quand l'annonce Overwatch annonce sa date de sortie Overwatch, c'était sur une conférence Xbox. Il a dit ah ouais la date de sortie. Quand elle a dit free to play. La ferme la bouche des moons, hein, hype l'a redescendu, elle a dit mais comment ça se fait? Et qu'on a touché Overwatch 2, il dit mais c'est Overwatch 1, c'est que vous savez les PV, vous savez toutes les promesses, vous savez les bons personnages, vous augmentez les statistiques et tout. Ben, voilà. Dans ce sens, on a été volé.
Non, de le sens mais qu'on pense qu'on dit parce que. Pourquoi voulez Overwatch 2 parce rendez-nous Overwatch 2, libérez Overwatch 2. Parce que Overwatch 1, c'était pas un jeu gratuit. Overwatch 1, c'est. Oui, c'est ça. Ou achète. Voilà. Donc, quand elle a dit Overwatch 2, on a dit, ben, ça va être un autre jeu payant, mais dedans, on aura un masse contenu parce qu'on aura le PVE. Donc, nous dit, nous, on est d'accord d'acheter Overwatch 2, parce que de toute façon, dedans, on aura le PVE, donc ce sera pas le 1. Et elle a toujours dit le PVP d'Overwatch 2 sera gratuit parce que ben, forcément les gens qui ont déjà le 1 et ça pas forcément achète le 2 pour avoir. Enfin, gratuit pour les personnes qui n'ont le 1. Oui, pour les gens qui n'ont le 1. Mais du coup, nous, le Tédagon, on dit bon, ben c'est bon, on aura une boîte Overwatch 2, dedans on aura tout le contenu PVE justement avec les personnages, on aura chacun son histoire, son bon train, les stats augmentent, nouveaux pouvoirs, ils changent et tout et tout. Et voilà, et avec des skins qui coûtent mérite. Mais quand même, elle a dit, oui, s'il te plaît, pas bon. Ah, mais ça amène un argument, mais au final, Nicolas dit le bon frère juste avant, parce que Mitsa dit un truc, mais Marwan a mal compte qu'avec les autres arguments, elle a raison. Mitsa dit, ben, au final, regarde, Dragon Dogsma, elle a fait pareil. C'est un, ben, là, ben, Dominique Croix joue le 2, alors en fait, c'est le 1 en amélioré, mais elle a mis un bon argument, c'est que les deux jeux, les payants, et qu'on voit quand même que par rapport au Dragon Dogsma 1 et le 2, on a vraiment un différent déjà visuellement et largement mieux. Et puis là, toujours ce côté, ben, on paye ton jeu. Et là, les vrais, de passer un jeu payant et de remettre ça en gratuit, ben, tout le monde va bloquer, va dire, ben, attends, on est bizarre, si nous l'a payé à la base et que là, elle est gratuite, ben, ce sera pas un nouveau jeu plein de contenu, ce sera forcément un truc free to play avec ce que nous connaît un peu des jeux un peu de même style, enfin du même style, du même stratégie commerciale. C'est tout ça. Voilà. Donc ça, le vrai, c'est un bon argument à la sortie. Et comme tu as dit, au final, Dupé et Dupé, parce que Dragon Dogma l'a fait pareil, mais ils ont raison. Dragon Dogma, après Dragon Dogma, il peut comprendre, mais différent. Ok, la Dupé un peu aussi, on va dire, mais pas vraiment. Mais la Dumoud, il est longtemps. Mais c'est pas un scandale, il est pas. Dragon's Dogma 2 n'est pas un scandale, c'est un reboot. Ouais, c'est un reboot. Oui, mais il n'y a pas Dragon's Dogma 2. C'est un rebirth. Mais il n'y a pas Dragon's Dogma 2. Mais on lance le jeu. Ouais, mais il n'y a pas Dragon's Dogma 2. Il n'y a pas Dragon's Dogma 2 nulle part dans le jeu. Oui, mais dans le jeu, mais dans la com où il dit. Dans la version japonaise, il écrit Dragon's Dogma 2 quand il lance le jeu. Nayek. Aux États-Unis, en Occident, où c'est Dragon's Dogma. Mais après, regarde, c'est un reboot, c'est pas vraiment le même jeu. Oui, c'est qu'il raconte l'histoire, mais il a plus de choses, des plus profonds. Et il pense que le Dragon's Dogma 1, le jeu était tellement. Comment dire ça? Ah, m'a oublié le mot. Mais voilà quoi, que la 360 et la PS3 ne suivent pas. Oui. C'est pour ça qu'il pense que. Il était bridé comparé à ce que. Voilà. Voilà. On a plein de monde. Mais pour moi, il n'est pas pareil. Parce que là, Overwatch, si nous comparons les deux com, Overwatch, c'est vraiment piqué. Parce que la manette est dans. Voilà. Bah oui, c'est vraiment piqué par rapport à. Overwatch 2, t'es piqué. T'es un beau piquion, parce que là, regarde, graphiquement, elle n'a pas évolué trop de ouf. Donc au final, c'est presque le même jeu. Presque le même jeu, me dit. Parce que par contre, là. Draco, Stéphane, ça y mérite un live, ça, le jeu, là, Marvel, là. Ça nous va faire, les sûr, hein. Mais avant, bien sûr, c'est Marvel, nous va essayer, après, s'il vous plaît, nous va essayer. Pour la fois que c'est pas un jeu smartphone, un jeu Android, j'aime essayer. Parce qu'il y a plein de jeux Marvel, quand même, on n'a pas envie de toucher ce téléphone. Mais, là, c'est super. Après, pareil, la Mikone sera exact. Enfin, moi, Mikone, mais il est pas fort de Wadju quand même. Mais Mikone sera le même maître que Overwatch. Nous, ça commençait par Ati. Bip, ça monte. Ça va prendre des coups. Voilà. Et après, Mikone est passé avec le ping, comment ça aura. Mikone pas, mais ça te fait. C'est du 6 contre 6. Overwatch, je m'y rappelle. Là, c'est. Ah oui. En plus, quand nous l'a joué, c'était la première. Mais qu'est-ce qu'on compte en fait, c'est. Quand nous l'a fait le live Overwatch 2, il est peut-être un cas isolé, mais m'avait jamais joué Overwatch 1. Mais jamais joué, les gars. C'est le premier fois de mon vie, mais t'es joué au Overwatch. Donc, mais t'es connu pas la map du tout, mais t'es connu pas le Madrid, t'es déco en même temps. Et, mais pense que, là, les gars, ils continuent de jouer au Overwatch maintenant.
Donc Balan a le skill, Balan très rapidement, Balan s'arrive à approprier Azot, Marvel le rival. Bah, oui. Donc dès le début, ça fait one shot à nous direct, dans la manga, ça fait deux à nous, mais faudra tester quand même. Après Mikro, après nous voir, attends, non, le manga, Mikro en avait pas, je t'ai dit combien PSO sera dispo, tout ça. Ouais, faut dire aussi que le jeu, il sort, le jeu, il est pour l'instant prévu que sur PC. Donc pas sur console tout de suite, sera peut-être après, mais pense sera après. Mais là, c'est que PC. Alors, on aura Black Panther, Doctor Strange, Groot, Hulk, Iron Man, Loki, Jon Snow, Magic, il y a plus Punisher dedans, il fait. C'est qui Magic? Bah si, Magic, c'est Tantine avec le gros l'épée, là. Elle est dans les Nouveaux Mutants, dans le film Les Nouveaux Mutants. Ah bah pas grave. Vraiment, bah si vous dites un bon truc pour moi, je suis un peu pas regardé. Pas du tout, Mantis, oui, Namor, Penny Parker, Rocket. Ça c'est la fille, putain, Parker, ça le demain, non? Ouais, Rocket Raccoon, Scarlet Witch, Spider-Man, Storm, Star-Lord. Ah, parce que les belles, l'ami 20 Captain, les trucs, sont, imagine, au lieu de DD, parce que Overwatch, c'est un petit peu, ouais, c'est, qu'on fait des teams. En général, on fait des, bon, on aura ça aussi dans Rivals, mais on peut faire des teams complémentaires, c'est-à-dire que chacun a son rôle. Mais là, on pourra même faire des teams en rapport avec le comics. Donc, peut-être, on pourra faire un team Spider-VS, on pourra peut-être faire un team Avenger, on pourra peut-être, ça me trouve, c'est le plus aussi, Mais c'est même pas au pourra, c'est que le jeu lui-même, je sais pas si vous l'avez vu dans le trailer, mais on en a des attaques, enfin, on a des PSG. Oui, ça m'a vu, il fait tout avec. Mais après, d'un bon joueur, de toute façon, elle est toujours comme, Nafen aura toujours un top tier, des PSO les plus joués. Donc après, je pense qu'il y aura quand même des équipes, ça, c'est pas forcément des héros ou des vilains, que d'un lien de zone, mais par rapport à cette skill, il fait un tabac team. Mais pense que voilà, on aura sûrement un truc comme ça. Mais c'est le petit plus. Ça, l'avantage, c'est que Marvel, il a déjà son lore, il a déjà son, le côté, justement, quand on joue deux PSO d'une même, enfin, que les ensemble, normalement. C'est ça. Kouga, il fait des attaques ensemble avec, tu vois. Et ça, et la sauce là, il prend sur ça, les belles avec Marvel, c'est que la sauce là, il prend n'importe quel jeu. Après, là où, c'est, ou même la fait test à moi, moi, plein quoi, jeu de cartes là, pêche Marvel là. Marvel Snap. Et pareil, m'a testé, bon, après, midi, il tape pas Yu-Gi-Oh, mais m'a pas passé un bon moment dessus. Mais, on a l'impression, en fait, que l'univers Marvel est tellement bien que vous prenez n'importe quel jeu, vous faites un jeu combat, vous faites un jeu, je sais pas, moi, bon, peut-être pas forcément. Les gars, même un FPS, si vous pouvez passer, si vous mettez bon PSO dedans, vous pouvez prendre n'importe quel jeu, vous mettez la sauce Marvel dedans, vous faites bien le gameplay, et il passe. Voilà. MMORPG, il passe. Ça, les comme Dragon Ball Z, ça, Dragon Ball Z, bah, on l'a fait, je sais pas combien de jeux. Bon, les vrais qui restent principalement des jeux de combat, mais, DBZ, c'est un saga, essoré de ouf. Là, je sais pas combien de jeux à sortir dessus. Mais Marvel, ce que les gars, c'est que l'IP, elle est partout. Vraiment, elle est partout et il passe. Donc, ouais, vous avez même au TPL Marvel Heroes, Oui, elle a tellement de jeux. Marvel a tellement de jeux et n'a tellement de jeux, même pas testé. Mais ça m'a dit tout à l'heure que Nana Bantu, sur smartphone, il est encore pire. Il pullule de trucs Marvel a fait, mais moi, mieux pas juste sur smartphone. Mais moi, ce qui râle à moi là-dessus aussi, c'est le fait que les. Comment dire, les niveaux, les destructibles. C'est ce que je viens de lire. Marvel promet des champs de bataille en constante évolution qui seront détruits par le feu d'artifice des pouvoirs. Quoi, pas cachette pendant je sais pas combien de temps. Il s'agisse d'Asgard, de Tokyo, du Megaman Resistance ou d'autres lieux. Vous pouvez détruire et remodeler votre environnement. Ah, ça veut dire par exemple, tu n'as. Mais Diakoni, ça imagine par exemple, vous n'avez un PSO, je sais pas, ou un Magneto par exemple. Un petit stomach pouvoir. Ouais, ou Strange, un petit stomach pouvoir pour. C'est les mieux pensés, mais trouve que le mode construction de Fortnite. Dans ce multivers, Docteur Doom et son futur moi de l'année 99 sont engagés dans une terrible bataille, provoquant la collision du. Empêcher les choses empirées, les héros et les méchants de tout le multivers doivent se mettre de son côté pour s'unir. Donc c'est Docteur Doom et son. Il ressemble un peu les histoires avec Kang. Docteur Doom et son moi futur. Ned délire à la Kang. Ok. C'est le troisième jeu. Est-ce que ça va évoluer après? On aura une histoire? Enfin, Vu qu'Overwatch aussi, il fait un petit peu
bonne cinématique avec l'histoire de, ah, du mais jeu. Overwatch, à la limite, on comprend, mais l'ont vraiment... Non, mais on voit Bangala étudier Overwatch, et Bangala prend le... Regarde, même les wallpapers, et regarde, même les images, ressemblent à Overwatch, regarde ça. Clairement. Ça, il fait Overwatch vraiment. Mais Overwatch, c'est du 6 contre 6 ou c'est du 5 contre 5? C'est du 5 contre 5, non? Alors, Overwatch, c'est du 6 contre 6 avant. Ah, avant, oui. J'ai l'impression 55. Comme il dit, le piqueur est long. C'est un autre piqueur encore, parce que, bonnes équipes professionnelles, Banal avait 6 joueurs. Tout d'un coup, Jason, viens à jouer, gars. Le gars, c'est un professionnel, il est payé pour jouer, tu vois. Et Banal dit, non, désolé, gars, vous n'avez plus, puisque nous l'avons 5. Ah, bon, le producteur Overwatch 2, il pleut, tu vois, on a de bonnes vieilles. On a moins de monde sur le jeu, mais. Ah, mais c'est ça qui est gros. Ah, là, tu vois. Regarde sur Twitch, là, là, tu vois un tabac de monde sur Overwatch, mais trouve. Hein. Oui, ah non, le jeu marche toujours bien. Marche toujours bien. Ok, bon, pensez tout pour The Rival. Mais pas comme Overwatch, hein. Et surtout, en plus, il paraît là, Overwatch, il fait quand même un pas dans la bonne direction. On n'a plus la douille de il faut jouer le Battle Pass pour jouer le nouveau héros. Il a dit maintenant, tous les nouveaux héros et même les anciens que machin. Il est plus débloqué par le Battle Pass dès que le héros est dispo ou gagne jouer. Ah ouais, même plus ça alors. Et pareil, il a dit on aura une façon différente d'acheter les skins, sera plus pareil, on pourra acheter un peu plus facilement le skin cover. Il change quand même, c'est pas un gros changement, mais Mitrovic change quand même de au départ la douille qu'on avait. Ça ne rappelle pas sans la V2, ça rappelle Overwatch, hein. Si. Ça sera comme Overwatch, hein. Ça me dit sûr. De toute façon, on va faire Overwatch 3, donc là maintenant ça va juste être Overwatch. Ah oui, oublie Overwatch 3, il n'existe plus Overwatch 3. Il n'est plus possible de faire un 3.